comment animer un événement en classe avec WoClap. Avant de présenter votre événement, portez une attention sur les options de partage qui correspondent à vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur les paramètres de votre événement. Dans le menu latéral, vous pouvez exiger que les participants s'identifient à l'aide d'un courriel ou d'un pseudonyme. Vous avez aussi la possibilité de décider si les réponses seront visibles par défaut. De plus, vous pouvez activer le mode compétition si vous souhaitez transformer votre événement en une compétition amicale entre élèves. Voici quelques fonctionnalités qui facilitent l'animation de votre événement en classe. Sachez que lorsque vous êtes en mode vote, il est possible de passer d'une question à l'autre à l'aide des flèches situées sur les côtés de l'écran, mais aussi à partir des flèches de votre clavier. Si vous souhaitez accéder directement et rapidement à une question spécifique, il vous suffit de survoler le bouton de vote et de sélectionner la question de votre choix dans le menu contextuel. Le bouton « Plus » permet de poser des questions spontanées lors d'interactions avec les élèves. Vous n'aurez qu'à choisir le type de question qui vous convient. La fonction « Message » permet d'afficher les différents liens d'accès à l'événement WoClap. Pour sa part, le mode « Compétition », symbolisé par le trophée, peut être activé afin que des points soient attribués aux élèves pour chaque bonne réponse donnée. Le symbole « Verrouillé » autorise ou empêche l'inscription de nouvelles réponses des participants. Il est possible d'agrandir ou diminuer la taille du texte à l'aide des symboles « Plus » ou « Moins ». Finalement, vous pouvez suivre le nombre de participants inscrits à l'aide du compteur en bas à droite. C'est à vous de jouer, créer de l'interaction en classe avec WoClap.